Jeux interdits est un roman de François Boyer, écrit en 1952. François Boyer est un scénariste et un écrivain, auteur par exemple des scénarios de La guerre des boutons en 1962 et d'un singe en hiver en 1962 également. Le film Jeux interdits est de René Clément. Il est interprété par Georges Poujouli et Brigitte Fosset. Il a remporté l'Oscar du meilleur film en 1952, le Lion d'Or à Venise la même année. La bande originale du film a été choisie, arrangée et interprétée par Narciso Yepes. Résumé de l'intrigue Au cours de l'exode de 1940 en France, un convoi de civils est mitraillé. Paulette, cinq ans, perd ses parents et se met à errer dans la campagne, serrant dans ses bras le cadavre d'un petit chien. Dans les bois, elle rencontre Michel, un garçon de dix ans, qui l'emmène vivre dans la ferme de ses parents. Réticent au début, le père de Michel accepte d'héberger Paulette, moins par charité que par crainte que les voisins, les goires, qui sont des ennemis jurés, ne le fassent et en tirent une quelconque gloire. Paulette enterre discrètement le petit chien, mais Michel la surprend devant cette tombe, et à deux, ils se mettent à créer des sépultures pour tous les animaux morts qu'ils découvrent rats, crapauds, poussins. Paulette ne trouve pas les croix que Michel fabrique assez belles. Aussi les deux enfants entreprennent de voler les crucifix qu'ils trouvent. Paulette se traîna vers lui sur les coudes, sur les genoux, pour le dévisager quelques secondes. Elle voulut le caresser, tendit la main et l'ôta, vite, dans un réflexe. Tout, tout mignon, elle fit un gros effort et parvint à toucher le chien du doigt légèrement, puis elle dessina doucement un long sillage dans ses poils blancs, évitant les taches noires. Le contact lui devenait moins désagréable. Elle s'enhardit et posa un deuxième doigt, traçant deux lignes parallèles. Puis, ce fut toute sa main qu'elle s'efforça d'appliquer sur cette tache noire. Elle tenta une brève caresse et s'aperçut qu'en fermant les yeux, le pelage blanc et le pelage noir. Était exactement semblable, ni plus chaud, ni plus froid, ni plus rugueux. À chaque mouvement, il y avait une petite touffe hirsute qui grattait un peu le creux de la main, et puis une longue plage soyeuse et souple. Paulette prit le chien dans ses bras et, comme hier, l'étreignit vigoureusement. Puis, le portant à bout de bras, elle le dressa verticalement. Les membres restaient rigides, et la tête pendait, inerte, oreilles tombantes et yeux clos. Paulette souleva légèrement une paupière et retira son doigt avec effroi. Puis ce fut une longue contemplation muette, et soudain Paulette lui fit faire quelques bonds sur ses pattes de derrière. Fais le beau Fais le beau Le chien tomba lourdement, et Paulette posa vivement sa main sur sa jambe nue. Un scarabée y courait, éclatant de reflets bizarres. Paulette souleva légèrement sa robe pour mieux voir, mais le scarabée s'enfuit sur une fleur de liseron. Paulette voulut cueillir la fleur, et ce fut toute une longue guirlande qui se détacha du sol. Le scarabée chancela, tomba, et disparut dans l'herbe. Tout à son nouveau ravissement, Paulette l'oublia. Elle déploya la guirlande dans toute sa longueur, et l'écart de ses deux bras largement ouverts n'y suffisait pas. Alors elle l'enroula plusieurs fois pour en faire une couronne, et l'appliqua gravement sur la tête du chien. Puis à nouveau, elle le saisit par les pattes de devant et dit encore Fais le beau Longuement, elle le fit sautiller sur place. Les fleurs et les feuilles s'agitèrent sur la tête du chien, masquant les yeux clos, les pompières enflées. Danse dit Paulette. Et elle rythma le sautillement du chien d'une chanson aux paroles bizarres. Le visage du chien, balancé de droite et de gauche, semblait s'animer. Alors Paulette lança sa chanson aux échos de toutes ses forces. Cocorico traversa les buissons avec force et résonna dans la plaine. Résonna.